Attends, laisse le pousser ça loin là-bas. Voilà. C'est bon là. Et alors, c'est. Allô. Allô, gars. C'est pas allô, gars. allô, allô, gars, je ne suis pas ton bonbon. ton bonbon. Mais le direct, il monte déjà à 47. C'est quel direct ici? Je dis que c'est le direct de la famille. On est à 70 déjà. C'est pas direct de la. voilà. On va pas m'étonner. J'ai dit que mince. Vous me voyez bien là. Bonjour, coucou. Salut, salut, salut. Comment vous allez? Ça va? Un peu trop de lumière, non? Je ferme un peu le rideau ou pas? Je me mets comme ça. Wow, super, voilà. Là, c'est bien là, non? On est bien là. Hein? Ouais, bon, maman Pépé ne fait que njim tous les jours. bonjour, bonjour, bonjour à tout le monde. Comment vous allez? Vous allez bien? Maman Pépé, ça va très, très bien. Hmm? Je vais vous faire écouter ma chanson d'abord, non? Puis on va parler un peu. Parce que je suis en train de faire un déplacement, je m'en vais à Douala. Là, je ne suis pas ton bonbon. Non, ton bonbon. On écoute ma chanson, fétiche. Et tant que vous connectez. Bonjour, bonjour à tout le monde. Comment vous allez? Hein? Vous allez bien? On ne fait pas semblant avec Dieu. On ne triche pas avec Dieu. On ne fait pas semblant avec Dieu. On ne se fout pas de la gueule de Dieu. Quand ils chantent, c'est moi qui dis de moi. Pour moi, ils ne chantent pas bien. Zambouo. Eh, mon ami. C'est quoi? Pourquoi à peine tu viens ici la menace? Ça coupe mon direct. Partagez alors, partagez. Je veux qu'on parle un peu. Juste après ça, je vais parler. Je ne vais pas être longue. Hein. Vous voyez que je deviens un peu de plus en plus un peu rare. Partagez, partagez. Je veux qu'on parle un peu, s'il vous plaît. J'espère que vous allez bien. Ma menenyo. Partagez alors, comme ça on parle. C'est pas pour longtemps. Je vous ai dit que je suis le 10. Donc on doit. Je laisse les gens s'agiter après quand il vient. On va s'y faire.
Voilà, ça commence à venir. Partagez, partagez, on va parler. Vous pouvez reconnaître seulement vos péchés. Et il n'avait pas posé son nom. Très chaud au Cameroun. C'est très chaud. Bon, je ne veux pas de longue, hein, parce que ça perd le temps. Je vais couper, on va parler. Hein. Voilà, j'adore cette chanson, je peux l'écouter, réécouter. Voilà. Salut, bonjour à tout le monde. Bonjour à Maté Cassé. Bonjour à mes fans dans le monde entier. Bonjour à tout le monde. Voilà. J'ai essayé, j'ai pas trop vu, mais j'ai fait semblant comme si je n'avais pas vu. Comme vous avez tous vu, je suis allée voir le petit Charles hier. Je suis allée juste faire un acte de présence. Je ne suis pas allée pour me faire voir. Je ne suis pas allée pour venir après me vanter que j'étais voir le petit Charles. Non. Je suis allée faire, comme on dit, un acte de présence. Et pour faire un acte de présence, on ne bat pas les mains vides. Donc, il fallait que j'aille quand même. Déjà, puisque quand je suis allée, je leur ai dit que je reviendrai. Moi, quand j'ai dit souvent... Quand je pars quelque part où je suis un peu marqué, j'ai dit toujours que je reviendrai. Mais je ne comprends pas pourquoi est-ce que, après mon départ, on filme les deux couches que j'ai ramenées, le petit truc d'eau de Javel, le petit billet que j'ai donné, ça sert à quoi tout ça? Pourquoi faire ça? Pour dire que le simple fait de dire que je suis passé, ça va. Je n'ai pas besoin de montrer que je suis venu donner un pack d'eau ou un papier hygiénique. Ça, je vais m'adresser directement à Rose Weber, je ne suis pas contente. Moi, quand je ne suis pas contente, Maté Cassé m'a interdit formellement de parler de ça. Mais moi, je suis quelqu'un quand on ne me dirige pas. Quand je dis merde, c'est merde. Donc, Rose Weber, je le fais pour toi. Je ne suis pas du tout contente. Je suis allée juste pour dire que, si vous avez remarqué sur la toile, moi, je n'ai jamais parlé de ce petit, du petit Charles. Moi, je ne parle jamais de lui parce que j'ai constaté que c'est tout le monde qui parle du petit Charles. Les beaux ailleurs ont parlé du petit Charles. Tout le monde a parlé du petit Charles. Je n'ai jamais parlé du petit Charles. J'ai dit, bon, je suis au Cameroun. Ça fait quand même presque 2 mois que je suis au Cameroun, là. Je n'ai plus rien. Je suis là. Et à Yaoundé. Donc, je ne peux pas aussi partir dire bonjour. Et quand on ne pas dit bonjour, on n'est pas obligé de ramener quelque chose. J'ai fait un petit geste symbolique. Hein? J'ai fait un petit geste symbolique d'amener 2 petites couches. C'est pour moi, c'était juste pour voir un peu le petit, saluer aussi le petit. C'est comme si je pars au village saluer mes grands-parents, je ne les ramène pas le savon. Mais la façon que tu as pris ça, tu peux poster, c'est comme si c'était une moquerie. Je ne fais pas la compétition avec quelqu'un, je suis désolée. Donc le geste ne me plaît pas, je n'ai pas apprécié. Je pouvais le faire moi-même. J'ai fait des photos avec le petit. C'est moi qui dis au petit, mais moi j'ai trouvé le petit, il était joyeux. Il jouait et il est venu me chercher en route. Je l'ai trouvé, il est venu me chercher. C'est le petit même qui vient me chercher en route. Donc, je ne suis pas contente. Et moi, quand je ne suis pas contente, je dis que je ne suis pas contente. Voilà, c'est mieux de le dire que de faire l'hypocrisie. Moi, je ne suis pas hypocrite. Moi, quand ça ne va pas, je dis que ça ne va pas. Donc, je n'ai pas apprécié le geste. Je n'ai pas apprécié le fait que tu aies pris les 2 couches que j'ai amenées pour donner à l'enfant et la petite bouteille d'eau de Javel que j'ai amenée. Pour poster. Pourquoi moi-même qui l'ai ramené, je n'ai pas filmé? Ça, c'est une moquerie. Ça, c'est une moquerie. On ne fait pas ça. Donc, la prochaine fois que les gens vont venir, parce que je ne sais pas où, c'est parce que c'est la chancelière que tu as fait ça. Parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui partent te voir ce petit, mais tu n'as jamais fait ça. Pourquoi quand c'est moi, tu le fais? C'est pas poli. Voilà. Tu voulais que je vienne avec quoi, le million? Donc, je ne suis pas contente. Et moi, quand je ne suis pas contente, j'exprime mon mécontentement. Voilà. J'exprime mon mécontentement. Et donc, ça fait que moi, je ne partirai plus là-bas parce que il y a beaucoup de gens qui veulent que je reparte. Et moi, je ne partirai plus. Voilà, je suis comme ça, moi, catégorique. Je dis, je ne partirai plus. Je devais repartir là-bas, là.
Là, je partais juste déjà voir le lieu. Parce que quand moi, je pars toujours en comptait, à cortège. Je pars toujours avec des gens. Là, je suis partie avec les enfants, vite fait, juste pour qu'on me dirige, qu'on me montre la route. Et je ne pouvais pas partir comme ça. Rien que ce que tu as fait là, moi, je ne pars plus là-bas. Voilà. Ce n'est pas moi qui va faire ce qu'il faut faire, mais je ne partirai plus là-bas. S'il faut qu'on vienne là-bas pour qu'on se foute de la gueule du monde après, moi, c'est bon là, quoi. Voilà. J'ai mes orphelins, quand je pars là-bas, on ne se moque pas de ma gueule. On ne se fout pas de moi. Donc ça, c'était mon mécontentement avec Rose Weber. Je ne suis pas contente. Et maintenant... Et maintenant, là, je suis en train de partir. Vous savez que c'est demain que je vais à Maningolais. Donc, là, je suis en train de partir sur Douala. Et il y en a qui m'ont commandé la crème à Douala. Il y en a qui n'arrêtent pas de m'appeler pour commander la crème. La crème, j'ai envoyé, j'ai dit bien, il y a un stock qui est déjà en France là-bas. Le numéro s'affiche là. J'ai mis un numéro avec... je fais la pub de Mondial, ça, avec mes mains. Donc, appelez à ce numéro-là. Pour l'instant, c'est mon père qui est de l'autre côté qui reçoit, qui prend les commandes pour l'instant. Moi, je suis là. J'arrive très, très bientôt là. Donc, je prends la relève pour l'instant. Comme il y en a qui m'ont trop cassé la tête que maman, père, père, on fait comment. Et je ne vais pas donner le nom. Bigo Batoa, ma soeur gabonaise qui a passé une très grosse commande. J'ai vu les photos que tu m'as envoyées pour me dire que ça a cuit. Bon, je sais que ce n'est pas sur tout le monde que ça pourra cuire. On ne sait jamais. Je sais qu'il y en a qui vous diront que... non, maman Pépé, je tiens à vous rappeler que l'audience de maman Pépé ne donne pas les vergetures. Maintenant, l'audience de maman Pépé entretient et éclaircit. Ça ne, il n'y a pas d'inconvénients avec l'audience de maman Pépé. En tout cas, s'il y avait des inconvénients, vous devez voir sur moi. Moi, j'ai pris du poids. J'ai mes petits problèmes de souffle et tout ça, mais mon Dieu, sans, quand vous-même vous me regardez, là maintenant, là, pareil, là, quand vous me voyez, même moi, hier, j'ai ma copine qui est venue me rendre, elle me dit que non, maman Pépé, tu es métisse. Pourtant, je mets ça une fois par jour maintenant, je ne double plus la dose. Donc, pour ceux qui veulent le Dieu, sans, le secret, le dernier secret là, je vous ai montré, le dernier secret là, j'ai fait une vidéo où je vous montre le dernier secret. Je vais faire un direct où je vais vous montrer comment ça s'utilise même en direct. Je serai en train de parler avec vous. Et puis, je vais mettre le dernier secret là. Le dernier secret là, ça ne joue pas. Hein? Le dernier secret là. Le dernier secret est très efficace. Donc, le dernier secret, je suis encore... c'est déjà là, mais vous allez attendre jusqu'à ce que je revienne. Pour le dernier secret. Pour l'instant, les crèmes, pour ceux qui voudront commander les crèmes, le numéro s'affiche sur la page. Il y a le numéro sur la page. Vous appelez et vous commandez. Et je voulais faire un direct spécial, mais je vais profiter aussi de l'occasion là maintenant pour parler de ça. Je sais pas, mais... non, j'aimerais bien faire un direct spécial. Vous savez, quand quelque chose est bien dans la vie, il faut encourager. Hein? Quand quelque chose est bien, il faut encourager. Je me suis longtemps battue ici sur la toile. Je me suis longtemps battue sur la toile. Longtemps, je me suis battue pour, je ne sais pas si je peux dire, représenter notre pays. Dire que nous sommes des jeunes femmes. On peut, si on veut, on peut. Hein? Et j'ai toujours dit, on ne juge pas. On ne juge pas. L'être humain. Je n'ai jamais jugé personne, mais j'interdisais, en fait. Je disais non, ce que tu fais, je vais parler de la vache folle. Je salue je salue ce qu'elle a fait. Je salue ce courage d'avoir créé une marque et tout. Je salue ça, franchement. Mes félicitations à elle. Et c'est ce que je voulais. C'est ce que j'ai toujours voulu sur la toile.
quand je combattais cette fille, ce n'était pas pour la haïr ou j'ai jamais dit que j'étais elle. Ça, c'est un mot qui ne sort pas de ma bouche, dans mon vocabulaire. Mais je salue vraiment son... Je soutiens ce qu'elle a entrepris. C'est très bien. C'est ça que je voulais. Je voulais qu'on dise que non, il n'y a pas que la prostitution qui fait progresser une femme. Hein? Il n'y a pas que ça. Voilà maintenant, tu as créé ta marque. Il faut travailler maintenant, il faut bosser. Ne reste pas à attendre qu'on va t'appeler pour dire qu'on a des révélations sur la chancelière. Les gens se mettent à venir applaudir et toi, tu te mets à rigoler pour manquer de respect à mon mec, pour me manquer de respect. Tu as accouché, maintenant il faut élever cet enfant. Il faut maintenant élever l'enfant. Et je suis très, très, du fond du cœur, je suis très fière de toi. Je suis fière parce que c'est toujours ce que j'avais toujours voulu de toi. Maintenant, tu as commencé, que les autres te suivent aussi. Quand quelque chose est bien apprécié, dites que c'est bien. Ne veut pas dire que vous devez être des amis. Ça, c'est l'Afrique qui évolue. Et ça, c'est un bon exemple maintenant à la jeunesse de copier. Ce n'est pas de venir sur la toile, prendre les bêtises, faire, on t'appelle, oh, il a une révélation sur la chancelière. Non. Maintenant, quand on t'appelle pour te dire, je te donne les conseils, on te dit qu'il y a les révélations sur X ou Y, tu dis que non, j'ai accouché, je dois élever mon enfant. Je dois nourrir mon enfant. Le chemin que tu as pris, c'est un très bon chemin. Mes félicitations. Encore une fois de plus. Ça veut dire que j'ai réussi quand même, hein, mon combat. Donc, pour ça, applaudissez pour... Moi, je ne vais pas t'appeler comme on t'appelle là, parce que moi, je me soumets. Je ne suis pas une femme soumise. Je veux continuer à t'appeler comme je t'appelais d'habitude, la vache folle. Hein. Voilà, donc vous allez applaudir pour elle, en sachant que les félicitations à elle. Donc, il faut l'encourager, hein, sans sabotage. Il faut encourager le geste. C'est très bien. Donc, mes félicitations à toi. Bravo, 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 bravo. Bravo à toi et je suis très fière que voilà encore une Camerounaise qui a percé. Voilà une Camerounaise qui a montré, qui montre le bon exemple. Mais un petit conseil. Ton accouchement n'était pas waouh. Je n'attendais pas ça. Je voulais que tu fasses un accouchement, comme tu dis souvent, tu es le 9. Hein? L'accouchement devait être spectaculaire. C'est-à-dire, le jour de ton accouchement, ça devait être du venez voir. Mais tu as un démas à ce niveau-là. Mais même comme ça, tu as fait, on a vu. Comme on dit souvent, on a fait, tout le monde a vu comment est-ce que tu as fait. Et bravo. Bravo à toi. Moi, je ne vais pas t'appeler comme moi, on m'appelle Manve. Je ne vais pas t'appeler l'autre nom là, jamais. Je ne suis pas soumise. Oh, nom de Dieu. Je dis que toi et moi là, je suis très fier de toi. Je vais te pousser jusqu'à devant. Hein? Je suis très fier de toi. Comme toi d'habitude, quand tu veux me féliciter, tu dis compré pute. Alors moi, je ne vais pas t'appeler aussi le nom là. Donc je vais t'appeler la vache folle. Donc quand je dis la vache folle, on sait de qui je parle. Donc on va encourager notre consoeur de ce qu'elle a fait. Je suis très très contente. Et je pourrais envoyer mes enfants commander quelque chose aussi pour t'encourager. C'est très bien. Hein? Parce que moi, il y a quelqu'un qui est venu sous-marin commander le jansan pour toi. Et je sais. Donc, du coup, mes félicitations. C'est ça, on doit monter le bon exemple à nos enfants derrière. Il dit que normalement, l'accouchement de l'Angassi devait être que... Non, l'accouchement était comme si c'était un sketch. C'était naze. Et tu as pris qui pour venir... Oh. Ton docteur là, non, il en dem. Tu devais faire un truc, mais il dit, hein, oh, ça devait faire waouh, mais ce n'était pas waouh. Ce n'était pas du waouh. On apprécie juste ton courage et puis ça, pour un début ça va être difficile, mais ça va aller. Hein. Si tu te concentres sur ton enfant, n'aie pas attendre qu'on vienne te dire que oh, il y a révélation. Continue à afficher les femmes nues. Ça va pas aller. Hein. Sinon, ça va tomber hein, tout de suite. Hein. Donc, fais tout pour élever ton enfant, que ton enfant puisse grandir. Voilà.
Donc, mes félicitations encore à la vache folle. Parce que tu es la vache folle. Ça ne va pas changer. Bon, ça, c'était les félicitations de notre sœur. C'est bien. Donc, vous pouvez applaudir pour elle et l'encourager. De grâce, ne sabotez pas ce qu'elle est en train de faire. C'est bien. Au contraire, il faut encourager. Ça fait que au moins, là, elle va laisser les mauvaises choses là de côté. Elle va se concentrer sur l'enfant. Donc, pas de sabotage. Ne sabotez pas. Je suis contre ça. Il faut encourager quand quelqu'un vraiment se bat pour quitter la mauvaise vie, les mauvaises... encourageons. Il faut encourager. Parce que la prostitution n'a jamais rien payé à personne. La prostitution, c'est... On dit c'est l'argent d'un bien, un mal acquis. Donc, pour voir vraiment quelqu'un qui a évolué dans ce monde-là, c'est très rare. Et si elle a compris qu'il fallait faire un truc bien, on ne juge pas son passé, on s'en fout. Tout le monde peut-être est passé par là. Mais le problème, c'est qu'elle s'assumait. Hein? Elle s'assumait. Mais mes félicitations, hein? C'est tout. Hein? Bon, je vais vous laisser en vous disant bonne journée à tout le monde. Et rendez-vous à Maningolais pour un petit direct là-bas. Et de grâce, pas de sabotage. Encouragez au contraire. Même si vous n'achetez pas, même si ne sabotez pas. En tout cas, la TK se promet déjà de ne pas saboter. Voilà, on ne sabote pas, on encourage. Voilà, sur ce, je vous aime, je vous embrasse. Et puis, bonne journée à tout le monde. Bisous, bisous, je vous aime. Le 10 de Facebook.